moto na bino banso balandi ya chaîne na bino bolinga kamini yoka base yoka base et la voix céleste mele oyo na kati mosika oyo susu mpona kolobela makambo mboka na biso ba actualité ya mboka na biso parce que politique soki ekimi yango mais akoki malo te pour cette raison la siliko tonda botondi na baboni na biso nyonso oyo boza ozwili bako ya kokota na kati ya émission ya lelo mpona koyeba kolanda baye koyeleka na kati ya mboka na biso RDC liboso na bino na momesano oza ngana mania ya communicateur ude pince na kombatan na kati ya parlement debout dizemeri kuna bandeko na biso papa yokaso présidet na biso na kati ya dizemeri on akopesa mbote mpe président cellulaire mpe président landa cellulaire kuna na kati ya angi présidat etienne baza na esengo mingi komonaka yo plango nyonso lelo a l'ordre du jour eza nde situation sécuritaire tokokende mpona kolobela makambo ekomekaka na kati ya addis abeba esika mokonzi ya mboka ake koparticipe na kati ya réunion mpona na addis abeba réunion ango eza mpe na likambo nini tokolobela ango na kati awa mpe tokokende na émission spéciale sur la balkanisation de la RDC. La balkanisation de la RDC en phase finale. Moi, il y en a quelque chose à présent. Point. Et je vais vous dire à la carte, il y a Nicolas Lelo. La scène qui nous vraiment, vous s'abonner, vous abonner, vous partager l'émission parce que l'heure est grave. Allez-vous que l'heure est grave. Et c'est un des mots pour la mot que c'est qu'à vu émission Oyo et ça nous vient à Ayoka. La balkanisation est déjà en phase finale na kati ya RDC. Tokoye pour la mot pour autant la nyonso se sengeli totana pour la moko na moko à la mouka totelema et te dire non à ce plan de la communauté internationale. La mot toujours la vie tout bon nyonso. Je pense que le groupe Salam est un rapport à Bitumba, nous allons le vendredi 17 février 2023. Bitumba est à Kakama Kassila Est, à Rambou Yamassisi, à Bangomba Yakitobo, et Bitumba est à Kimakassi, aux environs Yakishalda, Bitumba est à Kimakassi, à Farbese, à Eko, brisqué par Bitumba et par la F23. Parce que et c'est de la Kisusu, c'est le fait même pour eux à la respecter. Pour l'Andissama, il y a fait des routes, il y a le chef d'état-major, il y a quelqu'un qui est Nairobi. Merci Manango, dans ton monique, la carte, vous avez la situation à Bitumba, la Ngomba ya Kitobo, la Ngomba ya Kitobo. Si vous confirmez ce c'est le feu L23, FABC, si vous comprenez la question, 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 vous comprenez la FABC, la question de mon nom, la pour respecter ce c'est le feu, on est au chef d'état-major, si vous comprenez la question de Nairobi. Bangomba ebele pe aux environs ya Kishanga Ngomba ya Kitobo pardon Bitumba ezalaki makasi ba inventro bakimbi ti na kati ya Kishanga kote ya bakan ya ba refugie kan ya ba déplacé pardon me bake ti esika pe ya kan ya ba monusco susu mo babomba pe na katikati ya basivil bake bamosu bakimbili kote ya kan ya ba monusco. Alors, FABC a émissé mon stock pour libérer Bangouna Bakimeli la Ngambo na Bino, pour libérer Bango. Bamsou Bakimeli qui va côté civil, Bamsou Bakimeli qui va côté civil, Bamsou Bakimeli qui va parler de mensonges, pour te parler de Bakaba Kotunaka. Est-ce que vous voulez que ceux qui ont mis le Kouta et Kouta Balaké, vous pouvez le faire? Parce que Bango, parce que vous avez la civil, pour te passer à la Bango de côté, après tout, vous allez passer à la. Ma caméra balo au balé Kosala. Donc, ennemi, on a la carte Kishanga,
asala ki kobomba mala kanga monisco pour azobomba mala sima ya ba civil. Mais vous avez remarqué que 356 militaires rwandais basé ko uta Rwanda pour la pouvoir renforcer quand au lieu ya 1-23 basé la carte de Kumba ba koti na nzela Kibumba ba koti na nzela parc national de Virunga pour la pouvoir couper ses renforts et pas ya ba ndeko na bango wana fa de ce asela ki ko signaler et le Rwanda affrontement et salamaki na 3 lignes de front affrontement sur salamaki na Kinyandoni. Kinyandoni a 10 km la Kiwanja. La Nzela wane ke narakiba Ishasha. Na akondwa msuwe salamaki na Kishanga. Na 80 km la Goma. La Kishanga donc sika tolobi. Tolobili deja. Na Kishishe pe na Kaumino. Kaumiro. Biti mbako e salamaki kuna. Donc 3 lignes de front. Mais Tumba, ma M23, ma Ikobundisa, ma FARDC. Mais à côté à Kinyandoni, on a des acquis de ma groupe armé MPA, ma Bundaki, mais ma Zanga qui m'a assassé à 4 heures du temps de combat. En tout cas, ma Limba qui va réplier, qui va Zanga qui Sima, elle a éliminé M23, ma Prenaki, le contrôle. Mais à côté à Kishanga, en tout cas, c'est le FARDC. On a Zanga qui contrôle, nous nous sommes aussi expliqués en haut. Na côté Kishiche, Kaumiro, les gens de la FARDC, dans un contrôle. La Boka, mon amboka, la Tabare, explosion à la bombe, Salamaki, et Salaki, que de maman, la Massimoko, pour ma blessé et belé. Alors, comme les camions qui ont fait ça, mais tout le monde a pensé à madame Soukéli, Awa, Jean-Bébel Maba, le Asilaki, qu'on voit, madame. 300 cartes de lecteur vierge. C'est là qu'il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Fabien Boko. Il y a un membre de la plénière à CENI. Il y a un maximum. Fabien Boko. Il y a un Baza Bundekona Bebel Maba Bebel Maba Massima Nimba. Ok, merci mon frère. Alors, il y a un des quatre en boca, Bebel Maba, la Fabien Boko, Baza Bundeko. Donc, Fabien Boko, il y a un des salles dans la carte à plénière, la Seigne. Et il y a un baquet. La carte de l'électeur au vierge, Oyo, Bebel Maba Azalango, Azalaki Nango, Bakalaki Nango, c'est que, Eutaki, Namabokoya, Fabien Boko, ou Asala Kanakata Pierre, Seni. Et Alobi, et pas la prison de Makamwana. Mais, ma négociation de Salama, n'a pas empêché de faire la Makamwana, pour la Maréba Kobi Misaye, innocent. Et pas la prison de Makamwana, et ça crime vraiment. On les a crimes pour nous avoir expliqué. Donc, pendant dimanche, l'armée a mené des bombardements toute la journée, pendant samedi, puis dimanche, Mboka Oba, c'est le qui peut récupérer pour avoir l'appel, pendant samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, Mboka Oba récupéré qui Kabati, Karenga, Kire, Sake, les armes Mboka FARDC, Mboka Nyoswana, lundi peu. Bitumba et continue qui l'a mis le 13 février 2023 dans l'axe Kakaya Kishanga Sake, Bitumba et continue qui n'est pas à Yaki Kosa Ngomba ya Mouyande, Ngomba ya Kausa, dans le village ya Makombo, Ngamba Mboka ya Kingi, et c'est là qui cause tout au long de la semaine, Bitumba na Bitumba, massacre, et à bas 1-23, ils arrivent à Kassi. Ebele ya ba civil ba kufa ki ba civil ba kufa ki ebele ndenge te pesa ki na émission na biso e elekaki donc wana ezaki un peu moi rappel ezaki mingi bitumba ezaki na cheferia baunde na cheferia bashali merci beaucoup bitumba ezo continue mais en tout cas la victoire est du côté de FARDC tant le FARDC azwaka
ampleur azwa kanete voa na bitumba ndeka tango wana utoyoka ka ba EAC ba yaka mbangu mbangu komunite internasionale yaka mbangu mbangu wena koluka kubloke kofreni avanse FNDC yango le 8 novembre kutu sukoi na biso na mbala mbese kotaka na aksyo nde ba monika ano defete lingeya komunite internasionale kwekisa RDC ake leko mene ba operasyon ya bombardema na sukoi vansente wana nini ba sivili ba zara kati ba sivili ba kukufa. C'est ça toujours politique la communauté internationale pour bande de la bande de EAC. Mais la table du Tumbagno, c'est ce que ça la main, se sentir déjà que non, a su partir à ma casse, mais ma salle qui communiquait la bande, communiquait par E23 et ça le collaborer. Mais E23 condamne avec la dernière énergie le massacre barbare des populations civiles. Population locale, par la force des coalitions du gouvernement de Kinshasa et les mercenaires dont le gouvernement de Kinshasa doit être tenu pour responsable. Que le bombardement, le massacre, le salami kunapona, bango le bouquet, le massacre va civil, donc ils ont orchestré et pas le gouvernement, la batunaye, donc le FDLR, mercenaires. Maintenant, le maïmaï, le salanaki, le bombardement, le bruit civil. Alors, le gouvernement congolais, faut être responsable pour la liwaya, le civil. En tout cas, le civil, c'est le E23. Alors, le E23 prend à témoin la communauté internationale sur les horribles massacres en cours de populations innocentes. On va poser en témoin la communauté internationale. Les forces de coalition du gouvernement composé de FDLR, les FDC, Maïmaï, les mercenaires, bombardent par hélicoptères de combat et artillerie lourde les zones fortement peuplées sous contrôle de E23. Donc, Bango, Baye, Naba, coalition de Bango, Naba, artillerie lourde, Naba, hélicoptère qui bombardé, Naba, si quatre personnes sont contrôlées. Donc, Bango, les rebelles ont été déclarés, mais ils ont été contrôlés avec le gouvernement qui a été bombardé. Donc, la communauté internationale a été témoin. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Nous, rebelles, nous avons battu, nous avons bombardé, nous avons la communauté internationale. À moins que vous allez lire mon coin. À moins que vous allez lire mon coin. Sous contrôle, donc Bamboko est sous contrôle, il y a E23. Et c'est Bamboko qui nous a dit, c'est un bombardement, il y a qui, dans le but, qui dirige. Voilà, c'est là, il y a un FADC, qui chiche, voilà, bombardement, il y a qui, E23, qui m'a qui l'aurire. Voilà, il y a E23, qui m'a qui, qui n'a pas passé, il y a un bombardement, il y a qui, il y a un bombardement, il y a qui, Kabati. Et ça qui déjà m'a dit que FRDC, Rouvinda, Kingi, Bamboka Nanyoso, FRDC, merci le Kamakasi, Bamboka Nanyoso, c'est là qu'il y a Bamboka E23, et quel nombre il y a FRDC sous contrôle de FRDC. Là, là, je vous prie simplement, félicitations à FRDC, Kakande, Sangwamawa, Baye, sous-titrage, vous avez vu ce que c'est, oui, pour la mine Kakabouye, tant que vous êtes avancé, communauté internationale, la EAC naïe, de manière à courir, c'est monsieur Gagnon, allez stop, cessez le feu. Mais la tant que ça a cessé le feu, nous sommes respectés, mais E23 a respecté la gâté. Alors, ça n'a pas la punition, la coupe ça y été. Ça prouve déjà que derrière tout ça, la coupe de sa gabisso, il y a un esprit. Bon, on a déjà bien. De côté, la maman de Kambo. Donc, on a un mot, par exemple, je sais que dit, à quel endroit il y a Addis Abeba, Éthiopie, pour la Koyeba, pour participer à la 36e Assemblée Générale de l'Union Africaine. Mais ça, pour ça, pour ça, pour la Wanaké. Et là, pour Bombami, la 36e Assemblée Générale, yana, et ça, va réunir la EAC pour les Kawana. Parce que Renouana, la 36e Assemblée, et pour les Kawana, on a mis la lobby samedi le 18. Pour la lobby samedi le 18. Mais on a mis le 17 autres alliés vendredi. Nous avons deux réunions économiques. Par exemple, économique la Macamba Sécurité, il y a Est de la République démocratique du Congo. Vous avez parti de terre à Komaki déjà, pendant que la lobby, le 16 à Komaki déjà pour la carte à Addis Abeba, le 16 février 2023. À
Alors, il y a des bons sauts. Là, on le 17. Avant de commencer à l'ouvrir le 18, on le 36e assemblée générale de Kozala. Là, on a l'élu le 17. Qu'est-ce qui va se passer la Katia Addis Abeba? Premier René Kolekakuna, c'est un sommet extraordinaire de l'EAC élargi avec la Mola. En gros, ça a gagné la Katia EAC tout. Mais ma bengi à côté la Katia, sommet wana on a fait ça la Yabapéia EAC. Élargi avec l'Angola qui fait suite au mini sommet du 4 février 2023 qui s'est passé à Bujumbura au Burundi. Pour la carte Burundi, la Bujumbura, réunion mini sommet Salamakoukou la chef d'État, il y a Afrique de l'Est. Mais l'homme va donner pour ça la Koukoukouna, et moi je vais noter pour la même présent Félix Tshisekedi, abandonné au gang de la commandant et à force régionale, que vous voyez qui construira un peu de côté, et vous voyez qui peut la pour ça la Moussala. Bonsoir à vous, salam, vous êtes Nenge et Nenge Bani. Attendez la fin de la mission, il y a le président Ruto, la Luana, objectif, il y a réunion Wanda, objectif, il y a sommet Oyo, et c'est ça la suite, il y a sommet la Bujumbura, il y a ma chef de l'État. Objectif, Nango, faire une évaluation du processus de Luanda. Faire une évaluation du processus de Luanda et de Nairobi afin d'établir une nouvelle feuille de route. Par ici, quand on a pas évalué le lendemain nuit, évolution à Makambu, la Luanda, la évolution du processus à Nairobi, c'est Tambola. Et nous avons évalué à l'eau, parce que c'est la source un feuille de route de source. Feuille de route est libérée à Nairobi. On veut pas respecter P. Rwanda a respecté P. Fait de route la nuit par aller. Donc il y a Nairobi Koutou et pas respecté P. La quête de Rwanda. Pas respecté la précise 24 heures, la fin décembre 28 novembre 2022. Dans 48 heures, ceux qui ont boulité, en tout cas, force régionale, pas pour quoi on est collé là-bas. Et non, comme on peut être salamaté. Force à faire de ces balingues, pas bêta. On a Botika Nanou, Badi Malama Lembe, depuis sa balota, tous les 25 janvier 2023. Quand à EAC, nous devons faire la manœuvre. Et nous, la population, comme elle souffre, parce que nous, tout Oyo, 1-23, pas besoin de presse, besoin de service de l'État, c'est la malle. Pour la 1-23, on va pas coller, pour la 1-23, on va violer ma maman, pour la 1-23, on va faire ma cambe de Zoba. Mais puis surtout c'est là, tout bundaté, tout c'est la tata, qui bat du malamalède. Mais on ne peut pas vous cesser les faits, dans le bazo bunda, le bazo salamate, bazo bunda, le bazo yiba. Donc mais il dit que colonisation, je ne sais pas quel envoûtement. Et nous qui te connais pour ça, tu vois la tête, elle est assez en haut. Non, ma cambe à boire. Ça c'était un piège véritable. Mais, dans la soukou matam. La Europe est similité. Rwanda est similité. Angola est similité. Si on sait que c'est similité, on sanctionne, non? Non, faut qu'on sanctionne. Il faut qu'on nous café de route de source. Ça, ça devient autre chose. Le gouvernement ne peut pas rester tranquille comme ça. Quand les 1-23 ne peuvent pas obtempérer aux décisions en Nairobi, là, il y a Luanda. Il n'y a pas qu'un des chefs d'État. Et là, c'est Azama Kokan, Azama Kanissi, et après le baquet, tout ça, la fin de l'île, ça c'est l'envoûtement et ça c'est la domination de la RDC par les EAC. Intolérable, inadmissible. Donc ça, la fin de l'île, aucun abus de jumeau, la Esouka qui était, pas bien ici, chef d'état-major, ou la carte à l'Europe. Le chef d'état-major, la droite de décision. Mais pour qu'on impose par l'autre nom, c'est le calendrier de la sortie à la 1-23 à 4 territoires. Le calendrier de la sortie à la respecter. Mais vous voulez toujours nous tromper. Le calendrier de la sortie à la sortie qui soit plein dans le bureau. Il y a une calculation. On ne veut pas de ça. Que le gouvernement de la République démocratique du Congo, pas la mouka, parce que je sais qu'il y a un peu de conduit, un peu de chemin dans le gouvernement. Ce que je constate, pas mes analyses, ça n'engage que moi-même.
ndenge nazomonela ke le gouvernement de la République démocratique du Congo a kolala pongi. Une nouvelle feuille de route bako le kosala. Bako le kosala ni lukuna. Ils vont clarifier le mandat de la force régionale. Bako clarifier mandat. Parce que d'après votre objectif, mandat, il faut être offensif. Mais et comment qu'il en est offensif, et comment qu'il en est, il y a que la maintien de la paix, même la MONUSCO, il y a que ça la établir, installer les zones tampons, ce qui n'était pas écrit. Alors, nous avons la population qui est en train de marcher sur la maquille, parce que dans ce moment-là, ce n'est pas clair. Je crois que la population est moins capable de le gouvernement. Parce que ma cabine population ce monde, peut-être le gouvernement a moins d'avoir la regard. Toi ce monde a la regard. Toi je vais prendre l'angle derrière la population. Nous nous devons qu'est-ce qu'on clarifie, hein? Papa le tindou là à l'obaki. Dans la joie qui va attaquer la Yandambi, ose à la kalakati à Kisangani. La joie qui va attaquer la papa Obadengi, Yandambi, Yandambi. La voix qui va attaquer à papa wana, alors mini et salama kissima, on se va attaquer à Yandambi, firme Yandambi, à l'obakini. Ces quatre activistes des droits de l'homme, basés à Kisangani, se dit très énervé par ce qu'ils considèrent un abandon absolu de la souveraineté sur une bonne partie du territoire national. Il s'agit d'un acte de haute trahison et une balkanisation officielle du pays. Alors, il pointe du doigt le président Félix Tshisekedi et ses collaborateurs d'en être responsable et auteur. Voilà, mais se firmer l'angle. Si ma commune a le lendemain, à mon force et à ses forces régionales, il faut comprendre la RDC, la Kaboli, même la Kabolaki. Du moins, il y a besoin de raisons véritables. Mais ma intention est de travailler pour jouer à l'ennemi, à l'initié, pour incriminer ce pays, pas pour la communauté. Voilà, ma campagne aussi, c'est un criminel chef de l'État. Cela va profiter, Coca de la Batouana Mabele, pour que ça ne soit pas EASO, alors que cela va profiter au Rwanda. Et dans la même logique, l'ancien prisonnier politique sous le régime de Kabila pendant 10 ans considère enfantillage la réaction du gouvernement qui promet d'analyser minutieusement le nouveau plan dit force régionale des pays en guerre. Il faut se défendre dans la guerre. La guerre est un droit légitime de tout État agressé. La guerre est un droit légitime de tout État agressé. Pourquoi alors le président va dire qu'il ne peut pas faire la guerre? Et on a dit que si le président ne veut pas faire la guerre, alors tout le Cameroun souffre, à cause de la capable de faire la guerre, on ne jamais mal au bas, la fourmée. Mais tu penses que déjà réponse dans l'émission de Soussou et pas la fourmée en l'âme. Ma campagne au de la OSA réel. La chef d'état-major va faire ma profite à côté de ciblé pour la Mboka, que même les abonnés ressemblent à la R23, fait de lutte de sous. Et continuez à vous en appeler.
Il y a pas de là, il n'y a pas qui compresse. Mais 5 000 membres, le gouvernement va évaluer. Donc l'accord portant statut de la force régionale de l'EAC en RDC, le gouvernement promet de dire une évaluation sans complaisance. Donc l'endamaka du gouvernement le dit, que va évaluer. Il y a un aussi dans la loi qui réponse à Papa Litundu là. Allez, ma peine, ce souci, René, en bas, nous avons Addis Abeba, au chef de l'État. Parce que je comprends que le chef d'État-major, je vais profiter pour décider sur ma cambouille, faire des rites. Alors, ma peine, c'est comme chef d'État, chef de l'État, là, et à Sénissou, à Addis Abeba, je vais profiter. Et ça, notre 36e Assemblée Générale, une africaine, je vais profiter, je quand tu s'appelles René Nabango, il y a EAC. Mais le but de ça, l'évaluation, il y a la clause, il y a Rwanda, il y a Nairobi. Mais on a pu évaluer, nous, il y a force régionale, la terrain. Alors, posez là. Mais, et là, il y a tout le monde, on ne va pas le tout là, après ça qui communique, Rwanda, il y a celui pour le bateau. Mais toutefois, le ministre des Affaires étrangères, le Tindoula a précisé que le gouvernement espère que cette force régionale va améliorer sa présence sur le terrain en remplissant sa mission comme il faut. Et si quand il ne va pas le Tindoula avec le bébé, ça, il y a une question qui te pose à la République de ça. Mais nous avons souhaité que la force régionale ait amélioré ma Kambounango, parce qu'il y a une offensive pour que ça, le Mokanemé de Bayokanango. En tout cas, écoutez la personne à Mathieu. Ton signé à Bango encore pendant septembre. Dit que le bac est fait ça à 6 mois renouvelables. Et maintenant, il a fait février et que ça a déjà 6 mois. Rien qui s'est fait sur le terrain. Attends, ça, c'est moi qui m'a déjà dit. Donc, on a dit comment on peut imposer force tampon. Comment on peut coopérer Naba Tutsi, Naba Rwandais. Donc, ça signifie que Naba, déjà, ils allaient loin. Ça prouve déjà que le gouvernement est capable de déclarer rupture. Le gouvernement ne peut plus s'attendre à que le non, composé que EAC est amélioré. Par contre, il y a un amendement pour améliorer. Dans le monde, nous avons dit que nous avons dit que nous allons attendre la suite de ce que nous avons dit. Deux réunions que nous avons dit, nous avons associé Lorenzo pour la réunion. Mais le gouvernement, le but, nous avons souhaité que la force régionale ait modifié. Et ça, les loyers, parce qu'on a une offensive. Est-ce que ça va se faire comme ça? Et pour ça, la matin, quand on a le président qui a Tanzanie a critiqué, même quand on a dit, alors, si on coloca, nous on a critiqué le président qui a Tanzanie, hein? Le président Félix Tshisekedi doit cesser d'être naïf jusqu'à ce niveau. L'EAC n'est pas là pour aider la RDC, mais pour appuyer Kagame. On a le président de Tanzanie qui a fait le babou. Et ça, c'est celui qui a critiqué le Rwanda. Pour le sommet de Bujumbura, c'était une mascarade pour distraire Félix Tshisekedi. Il fallait seulement que le président Félix Tshisekedi envoie seulement ses troupes sur le terrain pour buter l'ennemi hors du pays. Le plan B, est de soutenir les actions de Kagame. Tout le territoire là-bas, sous contrôle de 1, 2, 3, soit sous contrôle de l'EAC. Ça, c'est le plan B, d'après ma Marouane. Et d'après ma analyse, et j'ai les cas. Le plan B, la balkanisation à Congo, et ça, nous, le collègue Kagame, à sa défaite, 1, 2, 3, va subir lourde perte. Mais si Kagame a servi secours au pays à EAC, afin que force régionale équitable, déploiement rapide, et ça, la Marouane, on va y acquitter. Afin que m'assurer protection de Bokawana pour faciliter que le déploiement des réfugiés rwandais, la population rwandaise, pour qu'on vende la Bamboka Olo F23 à Vandeli, la Bissika Bakongole, la Kiba Kibitumba, afin que ma vende Wanda. Alors, lobby, dans le mois d'octobre, avril, mars-avril, les Bakosong, ils sont déplacés dans Bisso. Beaucoup de gens rwandais sur le terrain, dans le monde, 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 dans le monde. C'est ça qu'à l'ONU, terre, les habitations, cohabitation pacifique. Mais en Rwanda, déjà, ils ont frôlé la carte, ils ont balkanisation. Donc, pour les gens qui ont été libérés, ils ont été en deuxième volume, parce qu'il y a beaucoup à dire. Projet pour les balkanisations, ils ont été libérés dans le monde entier.
deuxième émission, deuxième volume, pour la tour de la sur la balkanisation qui est déjà à la stade de la Souka, la Kata RDC. Maintenant, le moment d'abord, la la Kouna. Donc, il y a en danger. Ce qui est au carnet de mon côté pour la population congolaise, on a Kagame Mbisoté. Numéro de téléphone plus 243 89 92 51 866. Plus 243 89 92 51 866. Au revoir, c'est moi la Manianga. À la prochaine. La victoire est certaine.